parti pour une vidéo. Comme vous pouvez le remarquer, on a en face de nous trois Lucky Blocks différents. C'est trois Lucky Blocks où à l'intérieur se cache un monstre. Je suis en compagnie de Tuner aujourd'hui. Oh. Et je suis en compagnie de l'Étoile Noire. Bonjour. On va chacun devoir choisir un Lucky Block qui est différent. Mais attention, comme je vous l'ai dit, il y a un monstre qui se cache à l'intérieur. Oh, ça veut dire que imaginons que je choisisse ce Lucky Block où lui, un monstre va arriver, c'est ça? C'est ça, et tu vas avoir un défi à compléter, mec, pour réussir le challenge. Ok, bon, écoute, moi personnellement, je suis chaud, je suis quand même assez habitué à faire ce genre d'activité, mais là, personnellement, je commence vraiment à avoir peur. Mais moi, Jean-Fils, j'ai pas du tout l'habitude des challenges avec l'horreur. Attends, dans chaque boîte, il y a un monstre qui se cache? C'est ça, moi, personnellement, j'ai déjà ma petite idée de quelle boîte je vais choisir. C'est une de mes couleurs favorites parmi les trois couleurs, les gars. Regardez, on a le Lucky Block rose juste ici, le Lucky Block vert et le Lucky Block jaune. Est-ce que toi, Tuner, t'as déjà ta petite idée de Lucky Block que tu vas choisir, mec? Mais mec, j'ai déjà mon idée clairement en tête et d'ailleurs, je suis en train de le regarder. Mec, tu veux jaune? Non, pas du tout. Écoutez, dans 3 secondes, on choisit le Lucky Block. 3, 2, 1, boum! Oh, c'est moi qui veux jaune. Non, sérieux, gros? Non, tu me laisses. C'est le mien, gros, t'es sérieux ou quoi? Toi, tu prends le rose, toi. J'espère que c'est un monstre terrifiant d'entendre un Lucky Block. Mais mec, moi, je voulais pas le Lucky Block rose. Regarde comment il est nul, lui. Oh là 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 là. Oh, mais vraiment, j'ai pas de chance, là. Je suis dégoûté, quoi. Bah, tu sais quoi, Tuner? Je te propose de l'ouvrir en premier, mec. Vas-y, c'est parti. Bon, tu l'ouvres comme ceci. C'est parti. 3, attention, gros, 2, je me demande bien ce qu'il y a à l'intérieur. Wesh! Wesh, attends, mais c'est qui ça? Mais wow, regardez comment cette personne fait flipper. C'est le retour, c'est celui qu'on a combattu déjà. C'est Momo qui était apparu dans les caméras de cette maison, mais... Attends, mais quoi? Maman, on sait tous les trois, elle se cache autour de cette maison. Il y a une forêt autour de cette maison. Ton challenge, mec, va être d'éliminer complètement Momo de cette planète Terre, mec. Mec, mais comment je vais y arriver tout seul? Vous m'abandonnez, là, vous allez me dire? Non, non, on va t'aider, bien sûr, mais c'est toi, avec tes mains propres, qui va devoir l'éliminer, gros. Et bah, les amis, vous allez voir que je vais tout faire pour tuer Momo, mais pour ça, je vais avoir besoin de votre soutien. Et c'est pour ça, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Bon, moi, les gars, j'ai même pas eu besoin de me battre pour la box verte. Personne l'a voulu. C'est la raison pour laquelle je suis persuadé que cette box, elle est juste incroyable. Du coup, c'est parti. Oh, on va l'ouvrir. 3, 2, 1. Wesh, attends, c'est. What? Attends, mais c'est. Oh, gros, c'est la poupée vaudou, gros. Oh, mais attends, mais gros, t'as le pire. Mais ne touche pas, mais ne touche pas, mais là, touche pas. Attends, Tuner, tu sais quoi? Le challenge avec la poupée vaudou, c'est que toi et moi, on va pouvoir décider ce que l'étonnant veut faire. Par exemple, regardez, les amis, regardez. Aïe! Attends, aïe! T'as mal au bras ou quoi, mec? Regardez, on va juste voir. Attendez, si jamais je la fais cogner contre la vitre, qu'est-ce qui se passe? Oh, aïe! On va réserver ça pour la suite de la vidéo, les gars. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, les gars. On risque bien de s'amuser, moi et Tuner. Ah, ça va être incroyable, les amis. Allez, les gars, c'est parti pour moi, à mon tour. Qu'est-ce qu'il va avoir dans la Lucky Block numéro 3, la Lucky Block jaune? Franchement, je stresse, hein. 3, 2, 1. Oh! What? C'est quoi ça, les gars? Non! Gros! Le totem d'invocation du Yugi Woogie, il est là, il est là! Non, 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 ne dis pas que je vais devoir affronter Yugi Woogie, gros! Oh là là, ça sent que ça va être vraiment épique ce qui va se passer aujourd'hui. Toi, je sais, Tuner, t'as déjà affronté Yugi Woogie. Est-ce que tu penses que je suis dans la caca ou pas, mec? Ah, mec, écoute, on est quand même moi et LEN pour t'aider, mais mec, t'es bien dans la sauce quand même. Moi, je suis là pour t'aider, Jean-Fils, mais c'est toi qui vas combattre Yugi Woogie, moi, je m'en mêle pas! Vous savez quoi, les gars? Je veux bien commencer en premier. Je vais partir affronter Yugi Woogie. On sait qu'il traîne autour de cette maison, les gars. Du coup, restez bien jusqu'à la fin, les amis, pour savoir si l'étang noir, moi et Tuner vont réussir à éliminer et à combattre ces monstres agressifs. C'est parti. Ok, les gars, je vais devoir affronter Huggy Wuggy. Mais Tuner, je vais absolument avoir besoin de ton aide. Comme je l'ai dit, tu as pas mal de fois affronté Huggy Wuggy. Mon challenge aujourd'hui va être de l'éliminer. Mais gros, je ne sais absolument pas comment faire, en fait. Et bah, mec, c'est... Enfin, j'allais dire que c'était très simple, mais pas du tout, en réalité. Il faut qu'on retrouve une potion qui appartient à Huggy Wuggy avec à l'intérieur un flacon de sang. Attends, et quoi? Oui, non mais écoute, je sais, c'est bizarre, mais il y a bien un flacon de sang qui se cache quelque part dans ce jardin. Et ce que je te propose, c'est qu'on essaye de le retrouver. Apparemment, Huggy Wuggy m'a dit que c'était une sorte de... Il se cachait dans un lama Fortnite, un truc comme ça. What? Un lama Fortnite? Mais gros, c'est mon jeu Fortnite, mec. En tout cas, je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que c'est un lama Fortnite qu'il faudrait retrouver. Attends, mais wesh, les gars, c'est vraiment trop bizarre. Il faut qu'on arrive à trouver un lama de Fortnite dans le jardin de cette maison à 2 millions d'euros. Est-ce que tu penses que je vais réussir à gérer la situation? Est-ce que tu penses que je vais réussir à éliminer Huggy Wuggy ou pas, mec?
mec, tu vas réussir puisque regarde, je suis là aussi pour t'aider. Donc, normalement, l'union fait la force. On va y arriver. Du coup, les gars, c'est parti. On est parti pour essayer de trouver après un lama de Fortnite. Junior, toi, tu pars par la droite, ça va? Vers là-bas, là, vers là-bas. Ouais, tu pars par la droite. Moi, je vais par la gauche. On va essayer de regarder à peu près partout, les gars. Regardez juste ici, les gars. On a une petite plaine de jeu. Oh, attends, c'est pas ça? Ok, on a des petits jouets. Un petit râteau juste ici. Non, en vrai, c'est pas ça qui va nous aider, les gars. Junior, t'as quelque chose ou pas, mec? Des plantes, des arbres, y'a rien. Ok, y'a une il trouve rien. Wesh, attends, t'as trouvé une arme, oh, mec. Mais mec, ça se trouve, le lama est enterré. Mais, gros, vas-y, cherche dans la tête. Moi, je vais grimper dans la construction juste ici. Les toits noirs, toi, tu vois pas quelque chose, toi, mec? Moi, je vais pas te mentir, à l'heure actuelle, je vois vraiment rien, Jean-Fils, je peux pas t'aider, hein. Gros, je vois rien, gros. Attends, mais Jean-Fils, mais regarde à ta droite, là. Quoi? Regarde à ta droite, tout en haut. Wesh, les gars, regardez. Y'a le lama de Fortnite juste au-dessus de cette construction pour enfants, les gars. Jean-Fils, il faut que tu l'attrapes. Attends, mais c'est beaucoup trop dangereux, gros. Je vais mourir, en fait, mec. J'ai une pelle. Je sais pas si on peut faire quelque chose, genre l'attraper comme ça là. Vas-y, gros. Tiens, donne-moi la pelle, gros. Allez, tu peux l'attraper. Attends, il faut que je tue le lama ou pas? Bah, en fait, c'est un lama Fortnite, mais lama piñata. Ça veut dire que je pense que la potion se cache à l'intérieur. Il faut qu'on le casse, le lama. Vas-y, go. Ok, les gars, c'est parti. Je vais casser le lama. Mais avant toute chose, les gars, avant que je détruise ce lama, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo. C'est très important, les gars. C'est parti, les gars. Je vais mettre un coup de pelle au lama de Fortnite qui va me permettre d'avoir une potion magique. Vas-y, go. Qui me permettra d'abattre. Ok, vas-y. 3, 2, 1. Oh, allez, j'espère qu'il est mort, gros. Oh, regarde, mec, il y avait même un bonbon là-dedans, là. Attends, me dis pas qu'il y avait que des bonbons, gros. Mais moi, ce que je veux, c'est la potion, gros. Vas-y, détruis-le. Plus fort. Il est mort, gros. Oh, les gars, regardez juste ici. C'est la potion de sang du lama. Est-ce que c'est ça qu'il fallait que j'arrive à obtenir ou pas? C'est ça qui va te permettre de devenir beaucoup plus fort que Huggy Wuggy. Et si tu bois ça cul sec, normalement tu devrais réussir à le démonter. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse moite-moite, non? Comment ça, moite-moite? Gros, le challenge, c'est que ce soit moi qui élimine Huggy Wuggy, mec. Non, mais moi je kiffe cette potion. Non, attends, c'est parti, les gars. Normalement, je suis censé être plus fort. C'est une potion de force. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Mais avant toute chose, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Regardez, la potion, elle est quelle couleur, les tonnoirs? Elle est rouge comme le bouton s'abonner, mec. Exactement, c'est parti. Jean-Fils, ça va? Gros! En fait, c'est une potion de force, gros. Bah écoute, moi j'en profite, je vais manger mes petits bonbons, hein. Regarde vous, les bonbons qu'il y avait dans la barre. Mais mettez des likes si vous aussi vous aimez les bonbons. Non, j'occupe les bonbons, moi. Bon, maintenant que c'est fait, gros, je vais pouvoir éliminer Huggy Wuggy, gros. C'est parti. Je sais que Huggy Wuggy se cache dans le jardin de cette maison. Junior, est-ce que tu l'as pas vu récemment, mec? Mec, je l'ai souvent vu rôder un petit peu la nuit et même la journée vers cette allée là, ici là. Ok, c'est parti, les amis. Déjà, on va écouter, voir si on n'entend pas un bruit. Oh, t'as entendu, ça vient de par là, les gars. Oui. Les gars, suivez-moi. Allez, tonnerre, tiens bien la caméra, gros. Je suis avec vous, les gars. Gros, il est juste là, gros. On a trouvé Huggy Wuggy, les gars. Il va falloir absolument que je l'élimine avec la pelle magique. C'est clairement mon plus gros cauchemar, Huggy Wuggy, gros. Non, mais t'es sérieux? Tu veux vraiment que je vienne avec toi? Gros, tu me certifies que la potion, mec, elle va bien m'aider à le tuer, gros? Normalement, oui, c'est une potion de force. Okay. Tu peux l'exploser avec ça. Allez, vas-y. les gars, suivez-moi. J'espère qu'il va pas nous repérer, les gars. Il est juste. Oh, il nous a repérés, les amis. Tu vas mourir, gros. Check. Voilà, gros. La potion, l'a vraiment trop fort. Je suis Jean-Fils. Voilà. Voilà, gros. Jean-Fils, doucement. C'est bon, gros. J'ai tué Huggy Wuggy. Il est mort. Let's go, les gars, gros. Hey, est-ce que j'ai bien fait ça, tu n'es ou pas, mais mec? Gros, c'était incroyable. Tu l'as détruit. Regarde, il est au sol, le pauvre. A plus, Huggy Wuggy. A plus, Huggy Wuggy. Au revoir. Bye bye. Attends, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Tuner. Maintenant, il va falloir que tu affrontes Momo, mec. Oh non. C'est vrai que j'avais oublié ça. Bon, et bah dès maintenant, direction la forêt. Ok, les gars, on vient tout juste d'arriver à la forêt de Momo. Tuner, c'est à ton tour. Ouh. Alors, les amis, vu que je suis dans ma forêt et que c'est ma mission, il va falloir qu'on trouve un moyen de tuer Momo pour commencer. Moi, je te dis, Tuner, ta mission la plus importante va être de récupérer une arme. Trouver une arme, gros. On vient de sortir de la maison, on n'a pas pensé à prendre un couteau, mec. J'avoue, mais mec, on a complètement zappé. Attends, tu penses que ça va faire l'affaire face à Momo? Moi, je peux te le dire directement, ça va pas faire l'affaire, mec. C'est une brandie, hein, je la casse. Ah ouais, d'accord, ok. Ça, c'était pas ouf. On va essayer de chercher plutôt une arme un peu plus puissante. Venez, on va essayer de chercher un petit peu autour des arbres, là. Oh, lui, là, je sens qu'il y a un petit truc, là. On va regarder un petit peu autour. Non, ok, bon. Il trouve rien, gros. Pour l'instant, cette arbre-là, il y a rien. Attends. Utiliser des pommes de pin, non? C'est carrément des grenades, c'est ça, des en fait, grenades, mec. Tu lui lances dans la tête, mec. Range-toi la pomme de pin, toi. C'est quoi? Mais tu neuf, c'est quoi ça? Juste là, il y a un truc caché là. Comment ça? Attends, faut que je souhaite ça. Wesh, attends, c'est quoi ça? Ça va? T'as besoin d'aide ou pas? Oh, t'as besoin d'aide ou pas? Attends. Vas-y, aide-moi. Gros, wesh. Attends, mais.
Non, attends, gros, je vois Fortnite, gros. Mec, c'est ça qu'on avait besoin. Oh, il est chargé. C'est une arme chargée Fortnite, comme vous pouvez le voir. Attendez, faites voir. Ouais, attends, elle tire, gros. J'ai donc trouvé une arme Fortnite qui va me permettre de tuer Momo, les amis. Mec, c'est incroyable, gros. Je suis choqué, les gars. C'est un truc de fou. Oh. Bon, allez, gros, oh, wesh. Mais attends, regarde qui marche là-bas. Les gars, on a trouvé Momo, il y a Momo qui est juste là-bas. Oui, mais c'est clair, Momo, attends, Momo, regarde. Momo, Momo, Momo. Qu'est-ce que vous faites dans ma forêt, là? Je vais vous tuer. Mais Momo, mais hey, t'approches pas, par contre, gros, je vais tirer, là. Non, non, elle nous a repéré, gros, elle veut nous tuer, gros. On n'a pas peur de toi, Momo, aujourd'hui, puisque tu leur es armé. Je suis armé, et je vais être plus fort que toi aujourd'hui, attention. Oh, wesh, tu l'as, gros, wesh. Attends, mais elle avait quoi, Momo, dans la main là? Attends, fais voir. Attends, what? Elle avait quoi dans la main, gros? Mais oh! Les gars, t'es maintenant, abonnez-vous tout de suite à la chaîne! Il faut juste cliquer sur le bouton ici, le petit bouton rouge s'abonner. Comme ça là, hop, allez cliquer! Félicitations à toi, Tuner, tu as réussi à remporter ton épreuve. J'ai tué Huggy Wuggy, tu as réussi à tuer Momo juste ici. C'est à ton tour, le tournoi, de réaliser ton challenge. Ok, vous avez tous les deux réussi, je suis plus vraiment, j'ai pas le droit d'échouer aujourd'hui. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on va le pranker avec sa poupée vaudou. On va lui faire tout et n'importe quoi. Les tournois, il est pas prêt, les gars. Ok, let's go, Tuner, toi et moi, on a réussi notre challenge. Maintenant, c'est le challenge de l'étoile noire, les gars. Oh, on va devoir utiliser sa poupée vaudou, les gars. On a juste ici l'étoile noire. Tout ce qu'on fera subir à cette poupée vaudou, l'étoile noire le subira. Et tu sais quoi, juste pour qu'on se mette un petit peu dans le vif du sujet, ça te dit qu'on lui tire les cheveux un petit peu? Vas-y, gros. Juste pour voir. Gros, il y a l'étoile noire qui est juste là, les gars. Regardez, il est en train de sécher son linge. Gros, t'es prêt? Tire ses cheveux, gros. Je lui tire les cheveux, t'es prêt? 3, 2, 1. Je vais tirer encore plus fort. Aïe! La poupée marche trop bien. C'est un truc de fou, les gars. Il y a un truc qui fait très très mal quand on le fait, c'est les petites pichenettes à l'oreille comme ça. Toi, t'es prêt? Ah! Mec, elle est trop belle, cette poupée. Mec, t'as une idée, toi, ou pas? Mais bien sûr que j'ai une idée. Regarde juste derrière nous, gros. On a une piscine, mec. Vas-y, je la mets dans l'eau, gros. Il y a l'étoile noire, il est juste derrière, les gars. C'est parti, les gars. Oh! Oh! Attends, mais il passe quoi, là, l'étoile noire, gros? Wesh! Les gars, il y a l'étoile noire qui est complètement en train de se noyer. Par contre, il faut pas qu'il meure, gros. Attends, je vais vite sortir la poupée, gros. Oh non, la poupée est en plein milieu de la piscine, gros. Attends, non, non. Il faut absolument pas que l'étoile noire meure, gros. Poupée, reviens là. C'est bien, on fait ça pour s'amuser, mais il faut pas qu'il y ait un mort dans cette vidéo. Ah, bah, c'est bon. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? L'étoile noire, ton challenge vient tout juste de commencer, gros. On va pouvoir te contrôler avec la poupée vaudou, mec, désolé. Mais vous m'avez noyé. Et ce n'est que le début, l'étoile noire. Moi et Tuner, on va t'ennuyer grâce à ta poupée vaudou, mec. Oh non, non, non. Vas-y, Tuner, viens. On va trouver une autre idée. Où est-ce que vous allez avec la poupée vaudou? Gros, non, tu ne suis pas, gros. Bon, mec, je viens de penser à un truc. Tu vois, là, la poupée, elle est toute trempée. Ah, mais ouais. Comment on peut la sécher? Oh, si on allumait un feu ou on mettait un briquet pour le sécher, parce que là, elle est toute trempée. Attends, gros, me dis pas que tu veux allumer un feu et mettre la poupée dans le feu, gros. J'ai un briquet, je peux faire psh, 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 et lui. Non, non, gros, c'est trop dangereux, mec, en vrai. Si, c'est ce qu'on va faire, mec, j'ai trop envie de le faire. Attends, LEN, il t'a quand même fait beaucoup de pranks, hein, ces temps-ci. On peut lui en faire un. Bon, j'avoue, c'est une idée incroyable, c'est parti. Oh, regarde la poupée, elle est actuellement en train de sécher, mais tu sais quoi? On va le faire brûler. Quel endroit? Attends, gros, vas-y doucement, gros. Brûle-lui un doigt d'abord. Regardez, les gars, okay. Il y a l'étoile noire, il est juste là-bas, gros. On va complètement lui brûler la main, gros. Il va souffrir. Allez, on va directement aller brûler son doigt. Oh, wesh. Oh, wesh. Ah, wesh, l'étoile noire, tu fais quoi là, gros? Gros, tu fais quoi, mec? Oh, on m'a brûlé la main, gros. On t'a brûlé la main, gros. On m'a brûlé la main. Gros, c'était nous, mec. Ah, c'est pas possible, mais ma main, vous voulez me faire peur ma main ou quoi? Mettez ma poupée dans le feu, non, encore la prochaine fois. Le prank a fonctionné à merveille, les amis. Je pense qu'on a beaucoup trop fait souffrir les tournoirs. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère bien que vous avez passé un très bon moment. Tu peux cliquer au centre de l'écran pour voir une vidéo que tu n'as jamais vue. Juste ici si tu n'es pas encore abonné. Et pour un plaisir, on se dit à la prochaine. Tchuss.